Bonjour, je m'appelle Charlie Dalin et quand je serai grand, je ferai le Vendée Globe. Bonjour, c'est Charlie Dalin, skipper de l'IMOCA Apivia. Apivia Voile vous emmène dans le rêve de Charlie, ou comment Charlie Dalin est passé du rêve Vendée Globe à la réalité. Bah, c'est, je rêvais de ça depuis longtemps, c'était une passion, mais j'en rêvais, je rêvais de course au large en solitaire depuis longtemps. Après voilà, je ne l'ai pas encore fait, donc je ne sais pas comment je vais réagir, mais j'ai quand même le sentiment d'être vraiment fait pour le Vendée Globe. Quoi. En fait, toute ma progression, tout mon parcours de vie, toutes les étapes ont contribué, enfin j'ai le sentiment, on verra à l'arrivée, mais en tout cas avant de partir, j'ai le sentiment que toutes les étapes de ma vie ont contribué à ce que je sois fait pour ça. Quoi. Il y a une part de hasard, une part de choix, quoi, mais voilà, d'être ingénieur, d'être architecte naval, forcément, pour la partie technique, bricolage, compréhension de ces bateaux très techniques, très technologiques, forcément ça m'aide beaucoup. D'avoir cette facilité aussi à vivre le solitaire, à vivre la solitude. Pour le Vendée Globe, ça m'aide beaucoup. Je fais aussi partie des marins qui n'ont pas le mal de mer. Finalement, on est peu à jamais l'avoir. Et ouais, j'ai la chance de faire partie de cela. Ouais, j'ai Apivia, qui est un super partenaire aussi pour m'accompagner sur cette course. Voilà, en fait, enfin, j'ai le sentiment que tout va dans le bon sens pour ce Vendée Globe. Autre élément important dont Charlie ne parle pas, certainement par pudeur, par humilité, c'est le soutien et la fierté de son entourage à l'approche du départ, à commencer par sa maman, Christine. Je suis très heureuse que Charlie soit au départ du Vendée Globe. Il s'en est donné vraiment les moyens. C'est vrai que pour l'école de Southampton, qu'il fallait parler bien sûr anglais couramment. Et donc, son père l'avait laissé un mois avec sa tante sur l'île de Wight. Et il a rencontré beaucoup de navigateurs, hein, c'est un peu le fief des bons. Et il a beaucoup navigué, il a perfectionné son anglais. Et donc, il a pu être admis à cette école d'architecture navale. Puis ensuite, intégrer le pôle Finistère de course large, ce qui fait que il a toutes les cartes pour gagner et c'est un vrai bonheur pour moi cette réussite. Voilà, je le félicite vraiment. Sa sœur, Carole. Je suis très fière, vraiment très heureuse pour Charlie qu'il a pu mener sa passion jusqu'à ce niveau. La médiatisation en soi n'est pas ce qu'il recherche, mais elle reflète sa réussite. Et je trouve que les navigatrices et les navigateurs en course au large font des performances sportives et humaines tellement incroyables. Ils méritent qu'on en parle beaucoup. Et je commence à m'habituer à la réaction de certaines personnes quand ils découvrent qui est mon frère. Mais pour nous, c'est pas nouveau. Pour nous, il a toujours été un champion. Et puis parmi les femmes de sa vie, il y en a une dernière, plus discrète peut-être, mais tellement importante. Une personne qui joue un rôle important dans ma carrière, c'est Perrine, c'est ma compagne. Elle m'a beaucoup aidé dans ma construction pendant mes années Figaro, et encore aujourd'hui. Il y a notre fils Oscar, qui a un petit peu plus de 2 ans, qui est né en juillet 2018, qui m'apporte beaucoup de bonheur, et ça sera forcément beaucoup d'émotions de lui dire au revoir. De dire au revoir à Perrine avant de partir, mais voilà, je sais que ça sera un super moment aussi de les retrouver à la fin de la course, et j'espère que tous les deux sont fiers de moi. Dans quelques jours, Charlie Dalin prendra le départ du Vendée Globe sous le regard de tous ceux qu'il aime, avec notamment son ami et premier coéquipier Thomas Aubert. Il m'avait parlé, il arrêtait pas de me parler d'envie de course au large en solitaire. Et en fait, le jour où il m'a annoncé qu'il avait trouvé un sponsor pour faire construire un IMOCA et courir le Vendée Globe, j'étais bizarrement pas plus étonné que ça, parce que je trouvais que ça coulait un peu de source depuis le début. Eh bien, je réalise pas vraiment en fait que Charlie va participer au Vendée Globe. Je me souviens quand j'étais petit que je regardais les images d'arrivée des Vendée Globe. Les skippers, je les prenais un peu pour des héros, un peu pour des fous, un peu pour des surhommes. Et là, de me dire que Charlie va y participer, ça me fait bizarre, je réalise pas vraiment. Il y aura aussi son premier entraîneur, Cédric Château. Et puis,
voilà, un amour pour la course au large en solitaire. Ça, je crois quelque chose qui le fait vraiment terriblement vibrer. Il aime bien quand les conditions sont compliquées, quand il y a de la bataille avec les adversaires. Et puis quand il est seul avec son bateau, à le faire avancer le plus possible. J'en rêvais depuis longtemps, quoi. Moi, j'ai toujours... ce que je préfère en course au large, c'est le solitaire, quoi. C'est ça qui me fait le plus vibrer, que je préfère. Et forcément, quand on est autant attiré par le solitaire, le Vendée Globe, c'est le Graal, quoi. C'est la course, quoi. La course la plus longue, la plus dure. Ça faisait longtemps. Je sais pas exactement depuis quand j'ai envie de le faire, mais ça fait très longtemps, quoi. Bah oui, c'est une course qui est très suivie, qui a un rendez-vous incontournable tous les 4 ans, qui est sûrement course au large la plus suivie, peut-être encore plus que la Route du Rhum. C'est une grande classique, quoi. Et c'est une course qui a une histoire. Et voilà, je mesure vraiment ma chance de pouvoir rentrer dans cette histoire du Vendée Globe. Retrouvez-moi le 8 novembre au départ du Vendée Globe et sur les réseaux Happy Via Voile.